bien. Pourtant, ça ne fait pas 27 jours seulement que je ne me suis pas lavé. Je l'ai eu. Toi, tu vas mourir. Tiens, il y a un problème. Je crois que mon doigt est coincé. Voilà. Moi, on ne me casse pas les couilles. Eh ouais. Tiens, il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de... Putain, oh. Ouais. Encore coincé. Je l'ai eu. Toi aussi, tu vas mourir. Eh ouais. Il y a bien des choses qui nous regardent, mais que nous ne regardons jamais. Mais quand il s'agit de regarder les choses qui ne nous regardent pas, nous sommes très, très forts. Eh oui. Et c'est pour aller raconter, compter et raconter de partout qu'on a dit qu'on dit que les gens disent qu'on ne cesse de dire que... Qui dit que... Hein, qui dit quoi? Quoi dit qui? La télévision a dit que, les journalistes disent que, les journaux ont dit que, les sondages ont dit que, les rumeurs disent que, surtout en ce moment. Qui sont derrière ces télévisions? Qui jette l'encre dans ces journaux? Qui réalise ces sondages et au profit de qui? Aussi, aurait-il fallu que nous sussions par qui sont manipulés une partie de cette masse média? S'il vous plaît, cessons d'être un produit d'une manipulation de l'intoxication par la propagande médiatique. Voilà, la dernière fois, un de mes amis de Monarco. C'est une principauté située sur la côtelette d'Usure. C'est là où vivent les Stéphanie de Monarco, les Brigitte Bordel, les Wanyanyani, Wanyanyanya. Et il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Nice. C'est Nice. Eh oui, il faut tout expliquer ici en Bretagne. On me l'a dit, on me l'a déjà prévenu, Saïdou, il faut tout leur expliquer. Et en Bretagne, les Bretons, quand tu leur fais des plaisanteries, ils ne se fâchent pas, c'est quand tu leur en expliques. Eh oui, et les Bretons, ils sont tous d'une même famille. Ils sont tous d'un même père. Ils ont qu'un père. Et avec les Anglais, ils sont d'une même mère. La Manche. Alors, il m'a dit qu'il aurait entendu parler de la bouche de celui de Nice, qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Toucourt. C'était Toulon qui avait basculé Toucourt à un moment et est devenu Toulon. Et qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Rouge? C'était Orange qui était passé au Rouge, et est devenu Orange et après est encore passé à Rouge. Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Marseille? Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Lyon? Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Paris? Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de Rennes? Qui aussi aurait entendu parler de la bouche de celui de... Et bien voici, on va cesser à ces sons. Qu'est-ce qui se passe à ces sons? Ah! Il se passe des tas et des tas de choses à ces sons. Ah oui! On ne nous dit jamais. Hier soir, juste en face du théâtre, je ne veux pas citer la rue ou l'appartement. Non. Il semblerait que le voisin de l'appartement de dessus est descendu à l'absence du voisin de l'appartement de dessous et il a élu carrément domicile sur les dessus du dessous de la femme du voisin de l'appartement de dessous. Et quand le voisin de l'appartement de dessus est rentré surprendre le voisin de l'appartement de dessous, sur les dessus du dessous de sa femme, ne pouvant rien faire, il n'a qu'à être
déçu. S'il vous plaît. Surtout, surtout, n'en parlons pas parce qu'on dit que ces choses-là, franchement, ça ne nous regarde. On raconte des choses, hein, je vous jure. On raconte aussi que depuis longtemps que tonton Mitterrand a fait, il y a 20 ans, une fille de 20 ans avec une femme de 20 ans. Et alors qu'il ne l'a jamais fait. Est-ce qu'il a été le premier ou le dernier Français à l'avoir fait? Oui, même si vous ne l'avez jamais fait, vous avez quand même été fait. On est tous arrivés ici bas par ce fait. Et pourquoi en vouloir tant à tonton Mitterrand? Ou parce que la France étant un pays à régime absolument monogamique, s'est vu passer par le biais de son chef d'État du régime monogamique au régime beaucoup-gamique. Sans passer par le régime polygamique reconnu officiellement à certains pays. Mais s'il vous plaît, surtout, surtout n'en parlons pas parce qu'on dit que ces choses-là, franchement, ça ne nous regarde. On raconte des choses, hein. Eh oui, il y en a, hein. Ça, c'est des physolophes qui ont développé maintenant la physofolie. Ils nous ont bourré le crâne depuis des siècles que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Donnez-moi tout votre argent et vous serez heureux. On raconte des choses, hein. Il y en a aussi des scientifiques. Eh oui, des scientifiques, c'est des intellectuels. Et il y a aussi des agriculteurs. Et ils nous ont aussi bourré des crânes depuis longtemps, des siècles, que la ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. La ligne droite, c'est le plus court chemin d'un point à un autre. C'est faux! Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est de ne pas y aller. Eh oui! On raconte des choses et il y en a qui racontent aussi que oui, qui va doucement va sûrement arriver en retard. Ils racontent, je vous jure. Il y en a qui racontent aussi que nous parlons beaucoup. Nous avions répondu que si nous parlons beaucoup, c'est parce qu'il y en a qui ont oublié que ce beau monde ne sera beau monde que quand tout le monde de ce monde aura accepté de partager avec tout le monde ce qui appartient à tout le monde. Autant ils vont en abuser, nous, nous allons le dire et le redire, l'écrire et le décrire dans le rire et le sourire, comme le riz qui pourrit aux Canaries dans une galerie de démocratie en Algérie servie sans appétit à Paris.